Bonjour, vous êtes bien chez Camille Fontaine. Laissez-moi un message après le signal sonore. Bonjour Camille, c'est Monsieur Fournier. J'espère que vous arrivez bientôt à la fin du projet. Je vous rappelle que l'échéance est demain à midi. J'attends de vos nouvelles. Bonne soirée. Hello! T'es pas prête? Je vous avais complètement oublié, les gars. Je suis désolée, j'ai un projet. Ah non, tu commences pas. Prendre pour demain, ça va pas être possible. Non, vraiment, ça va pas être possible. Bon, bah, faites comme vous voulez. Moi, j'ai du travail à faire. Non, mais t'en fais pas, on va t'aider. Et dans une heure, c'est bouclé. Oui, c'est vrai, tu planches sur quoi, là? Vous vous souvenez de cette bande dessinée qu'on m'a commandée il y a 2 mois? Ouais, cette aventure, ouais. Mmh. Et ben demain, c'est la deadline et je bloque complètement. Bah, je bloque sur quoi? Je bloque sur ce moment-là. Imagine le méchant qui sort de la voiture avec un énorme couteau blanc. Le héros, il arrive avec une mallette et une guitare. Mais calme, tu vois, posé. Et il aperçoit le visage du méchant. Il privilégie le dialogue à la violence. Et il pourrait dire, la laideur est une forme de violence. Non mais attends, c'est quoi ces clichés? D'ailleurs, pourquoi tu vois toujours des armes partout? Et pourquoi c'est tout le temps la femme, la victime? C'est toujours elle qui doit se faire sauver par un homme grand et fort. T'es un bouffon? En plus, pourquoi vous partez toujours du principe que les hommes savent se battre? Elle prend un extincteur. Et avec l'extincteur, elle donne un coup sec sur la tête du ravisseur. Oh, t'as rien compris. C'est nul. Déjà, ton héros, tu lui fais venir avec une arme du futur. Et il fixe le méchant qui a un sabre laser. Et là, le héros dit la phrase qui tue. Touche pas à ma copine. Bon, ça me saoule votre truc. Elle est où? Elle était là il y a 1 minute. Du coup, on fait quoi? On va boire une bière. Allez. Ça me va. Ah merde. On en fait quoi d'elle?